Bonjour, bienvenue sur Route Léger, la chaîne Spécial Scout. Aujourd'hui, une bataille avec mon Uber 105, hein, le scout tier 10 à roue français, sur la map Ville Fantôme. Bataille impromptue, je suis top tier, donc je rencontre jusqu'au tier 8, deux tiers en dessous. Et je vais vous montrer un petit peu la zone de spot sur la ligne, tout simplement, tout droit devant moi, la ligne 9, la rangée de buissons. Très très bonne zone de spot et de détection. Si, naturellement, regardez sur la minimap, le scout adverse n'a pas la même idée, sinon... voilà pourquoi je la fais plus avec les chars rapides à roues que les scouts à chenilles, car si vous êtes détecté, il vaut mieux partir très très vite, vous êtes au milieu de la pampa. Donc ici, vous voyez, il faut très très bien loger, et la stop s'est démarrée, je recule un petit peu doucement, voilà. Le WZ, le léopard a été spot, parce que naturellement, les scouts à chenilles ont tendance à loger carrément la ligne 0, voilà. Donc là, je suis obligé de temporiser un petit peu pour être sûr, voilà, hein, que les chars soient en place. Hein, j'ai quand même du monde derrière, c'est nickel, ça puisse fonctionner, voilà. Alors, avancez tout doucement, voilà. Alors, le VK45, c'est trop tard, il est rentré en ville, voilà. Il n'y aurait pas eu ces scouts, j'aurais pu avancer encore plus, hein, mais j'ai pas pris le risque naturellement. Il vaut mieux être modéré. Alors vous voyez, je vois son petit haut de tourelle si je me mets en normal, mais je ne veux pas tirer pour le moment. Ce serait possible que je le finisse. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et là, on peut continuer doucement. Vous voyez pourquoi je n'ai pas tiré, hein. Vous voyez. Pas oublier que si moi j'ai des TD et un soutien derrière moi, eux avaient des soutiens, des TD et un soutien devant le convoi. Il est parti un petit peu à l'arrache, je trouve. Voilà, le spot est partagé sûrement entre le léopard PTA et moi-même. Hein, voilà, mais le léopard PTA a l'air d'avoir été détecté tandis que moi non. Voilà, là je regarde bien. Hein, le chemin, on a pris déjà l'avantage de 0. Voilà. Vous voyez, là je n'ai pas mis le mode avec, comment dirais-je, les 4. J'ai mis mes 8 roues, hein, puis là je remets, voilà, toujours prêt à repartir, donc il faut la mobilité. Voilà. Super, l'explo, un bel explo non pénétrant, comme on dirait. C'est un peu énervant. Et alors, il est où? Il vient finir par passer, hein. Voilà, par là peut-être. Non. Je regarde surtout de ne pas être spot, naturellement. C'est très important pour moi. Ah, bah, il était solide ce convoi. Voilà. Allez, on gagne 4-0, la partie a l'air assez aisée, vais-je dire. Je continue de loger, vous voyez. La longueur des buissons sur cette ligne 9. Voilà. Nous savons qu'il y a deux chars ici. Nous avons vu l'artie. J'ai vu l'artie, vous voyez. Allez, 5-0. Je suis quand même à 3300 de détection. Le WZ est resté toujours en attente et a fini naturellement le léopard. J'aurais pu pousser un poil plus tôt. Voilà, mais bon. J'ai suis resté à l'explo et j'ai rechargé. Voilà, j'ai spoté les deux artis. J'ai rechargé de l'obus normal. Voilà.
Voilà. J'hésite de vous mettre des batailles comme ça, un peu trop easy, mais bon, je vais être franc avec vous, c'était l'une de mes premières, donc avec le... j'en étais content, je l'ai conservé. Voilà. On est quand même des fois content de faire de belles batailles dans ce style-là, même si effectivement, voilà, c'est 8-2, bon, voilà. Hein, mais bon, je suis à 4100 de spots, ce qui dit que j'ai quand même assez avancé. Et là, hop là. On est passé mon obus. J'ai rechargé un explos. Alors, petit char à tourelle. Va faire mal. Ouf. Non. Voilà. L'essu de chez moi m'a tapé. L'essu de chez eux m'a tapé. Heureusement qu'on fait plus de dommages entre nous. J'aurais perdu plus de 1000 PV en deux tirs, on va dire. Un tir allié, un tir adverse. Alors lui, il sait pas trop ce qu'il faisait. Voilà. Il tape les lourds. C'est fait. On a perdu la cible. Le 704 est parti aussi. On a fait. J'aurais pu le taper peut-être qu'il se sentir. Je vais pas regarder. Mais bon. Ah, ça me fout un peu les boules, alors puncher, hein, sur le sentu, à la volée, il me le met naturellement. Et voilà, partie terminée, 15-4, partie easy, mais je dirais. Les résultats. Donc, résultat de bataille, je finis insigne de maîtrise classe 1, tiré pour détruire, combattant, éclaireur, cogneur. Je fais la médaille éclaireur, patrouille et frère d'armes pour le platoon qu'on crée en fin de games. Donc je spotte pile poil 9 chars, je fais 5000 de spot, 5 dégâts critiques, 2566 de dommages et 4 kills. Je finis premier de la team avec 1209 d'XP, donc voilà, on est toujours dans des chars un peu bien cotés. L'autre BR fait quand même 2200 de dommages lui aussi, et un petit peu moins de spots, voilà pourquoi il est derrière moi. 704 avec qui on a formé le platoon, et ben oui, lui il a apprécié que j'éclaire pour lui, hein, donc il a bien tapé. Et on a deux chars qui ont pas trop bien joué, ben, je veux dire. Le type 61 ennemi, lui, ben, s'est régalé aussi. Moi, j'effectue 13 tirs, 12 au but, 6 peinés. Je fais naturellement de l'explo, donc j'ai des dégâts par zone d'explosion, hein, voilà. Je parcours 4,2 km et j'endommage 5 véhicules pour en détruire 4, comme déjà dit. Voilà, partie un peu bien, où je vous montre ce petit buisson en enfilade, là, qui, à l'impromptu, est vraiment sympa, si naturellement, il n'y a personne qui a la même idée que vous en face, ce que je fais habituellement. Allez, je vous dis donc à bientôt. Si vous aimez, c'est parti, commentez, likez, abonnez-vous naturellement, laissez-moi un commentaire. Ciao, ciao.